Juste deux minutes, on est toujours au CFA de Fourriagne. Oui, on sera tout à l'heure avec vous en direct sur la page Facebook de Via Stel pour le résultat du concours de cuisine. Jeannot, viens avec moi, viens. Pourquoi? Parce que je voulais vous présenter Jeannot. Jeannot, bonjour. Bonjour. Responsable boulangerie, on va dire. Boulangerie-viennoiserie. Vous n'avez pas l'odeur. Et franchement, ça va vous manquer. Écoutez, c'est une tuerie. Il y a un concours ici, oui. Mais juste derrière, juste là, il y a aussi un examen. On est en train de faire... Un examen de viennoiserie. Regardez, non mais tout franchement. Ce qui est pain au chocolat, pain au lait, croissant. Ils sont tous derrière leur plaque. Voilà, exactement. Là, ils ont fini, ils ont présenté les produits. Ça vient de sortir du four, Allez, 5 minutes. 5 minutes. Combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ils ont l'impression là un peu? Non, ça va. Ça fait quand même 2 ans qu'ils sont prêts. Donc. Et la formation dure? 2 ans. 2 ans, et en sortie de cette formation, on a quoi comme... On a un CAP. Viennoiserie, boulangerie. Boulangerie. Écoutez, nous on voulait juste faire cette petite pause avec Jeannot, avec les jeunes qui passent leur examen, parce que quand on est au CFA, je vous jure, l'odeur elle va jusqu'au parking, c'est une tuerie. Qui j'en prends un, qui je choisis au hasard, lui? Tiens, lui, oui, parce que... Il vient d'où? Moulinage. Famille de boulanger, pas du tout? Oui. Et tu vas prendre la suite. Ouais. Et il faut le CAP. Ouais. Et tu adores la boulangerie. Ouais. Et je vais te scrouquer un croissant. Vas-y. Voilà, ça c'est fait. Non, c'est pas pour moi, c'est Béatrice Mazala, la dame de Pôle emploi, qui est fan de croissant. Et je lui ai promis que j'y en voulais un. Les gars, bon courage, on voulait juste vous faire un coucou. Le monsieur Jeannot, plutôt cool. Au niveau des notes, ça... Comment il est, Jeannot, pour les notes? Ah, il est au top. Voilà comment gagner des points vite fait. Est-ce qu'on retrouve certains de vos produits au restaurant d'application? Oui, tout à fait. Tout ce qui est pain, on l'envoie au restaurant d'application. Et voilà. Tout ce qui est viennoiserie, pain au lait et tout ça, on le retrouve à la cafette. Sauf que les gens de l'extérieur à la cafette, ils ne peuvent pas trop venir, c'est pas pratique. Voilà. Par contre, au restaurant d'application, c'est le mercredi, c'est le jeudi, c'est 10 euros. Il faut réserver le matin en téléphonant en CFA. Et c'est juste super bon et super bien servi. Merci Jeannot de nous avoir accueillis pendant 5 minutes. Nous, on se retrouve, on sera toujours en direct sur la page Facebook de Via Stel. D'ici, Laurent, Simon Paul, d'ici combien? Une petite heure, hein, à partir de midi à la louche pour le résultat du concours. La demi-finale, oui Laurent. Hein, non, c'est pas pour toi le croissant. Bon, d'accord. Ok. Il faut que j'envoie un autre pour Béatrice. Comment je fais? Allez-y. Non, dans l'échelle. Ah non. Parce que tout à l'heure, je vais les juger. Alors, là-bas, il en manque un, c'est moi qui l'ai pris. Hein. Ah, c'est pas grave. On en mettra. Là, je peux? Oui. Ah. On l'amène. Celui-là, on l'amène à Béatrice. On retrouvera Béatrice, on retrouvera Guillaume, on retrouvera les 8 candidats pour le concours tout à l'heure. Mais en attendant, on voulait juste vous faire un petit plaisir. Allez, à toutes.